Ambassade américaine fait un gros geste ensemble avec autorité dans pays Niger. En pile machine bail dans pays ici là. Action ça, en pile habitant dans pays Niger content geste que États-Unis fait et ou même qui sont dit tout. M'bral bon tout détail à travers émission ça et on l'autre bon femme dou, la police nan port de paix maré 12 individus qui t'al fait déchoukaille. Et yon bagay la police signale qui vraiment important, pa be di anyen, mral tout bagay la et ou pral wè a clair que peuple la ka pran nan zobo si yo continue nan fè question de choukay. Mwen la pou m'informer ou. Et on l'autre bord, nan question tempête Fiona, Alex Jonan li levé suite avec responsable qui la boussa yo fè konnen. Mais gen yon image qui vin jwenn mwen la poko kontan non, image si la capable provoquer qu'est cassé. Bouik la chargé, pas gitan pour bêtiser, quitte m'galopé. Comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Tendez non. Dans le cadre d'un partenariat que les États-Unis d'Amérique gagnent avec Niger, ils ont choisi de faire une cérémonie de remise d'équipement militaire dans le pays. Côté, les États-Unis choisi de faire pays Niger cadeau 43 véhicules. 43 véhicules la reparti comment? Yo gen véhicule tout terrain, parmi yo gen 8 machines blindées, 8 chars blindés que les États-Unis d'Amérique choisi bay ensemble avec pays Niger pour une somme de 13 millions de dollars US et matériel ça yo que ambassade des États-Unis d'Amérique dans pays Niger bay gouvernement nigérien raison c'est pour capable combattre terroristes. Cap fait comprendre parce que gagne en pile jeune garçon en pile jeune femme qui a dans question banditisme et bien les États-Unis d'Amérique choisi fait geste là ensemble avec pays Niger et femme dou suite avec geste si là gagne en pile déclaration gagne en pile habitant dans pays si là qui bat bravo la contentement et qui dit yo pral raler yon souffle suite avec tout zak terroriste qui te kon habitué fait dans pays yo et 43 véhicules si là en vérité la bay bon résultat. En tout cas c'est bito c'est OK c'est moi retenez commentaire pour dire qui sont pensé suite avec action ça que les États-Unis d'Amérique fait dans pays Niger. Qu'en est-il de nous-mêmes? En tout cas et par là qui me l'autre détail l'autre information que me pral ba nous la police maré 12 individus dans port de paix. La police maré individus ça yo comment m'bral explique dans cadre mission faut me dire dans département nord-ouest la police t'a pral procéder avec arrestation 12 individus ça yo dans moment yo t'al pillé des institutions catholiques et une institution l'état. Et bien la police t'a joint information bien rapide. La police débarqué dans espace là, et bien la police arrêté jeune garçon ça au pillage si là, l'étape fait dans Caritas qui situé dans la localité Pointe, deuxième section communale Port-de-Paix et dans bureau protection civile qui dans Rofouno dans quatrième section et Port-de-Paix. Et il y a un autre pillage encore qui t'est fait mes chers amis, c'est Kay et c'est Miriam côté un bon individu te choisi, kagoule, prend la rue, te gen manchette nan men tout, pour te capable à le faire scène de pillage si là. La police qui te joint information, et quant à vous, c'est Miriam là, la police fait qu'on est, c'est environ 50 individus qui rentrent en dedans avec un pile attaque, qui était très menaçant, pour te capable faire scène de pillage si là. La police est arrivée au moment même, pour te capable limiter dégâts et agent terrivé par l'autre que agent BLTS. Est-ce que vous entendez? C'est agent ça yo qui est arrivé. Ben suite avec information que la police disposait, li fait qu'on est moun sa yo qui était débarqué vin fait des choukay dans trois institutions sa yo parmi yo gen youn c'est bay privé puis l'autre là c'est pour l'état. Comprendre? Et ben qui s'est passé? La police même fait qu'on est l'a souligné ça. Dans mon manifestation, les gens qui rentrent à faire scène de pillage, si ce n'est pas les gens qui sont manifestants. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas les manifestants qui sont là. C'est les individus armés. C'est les individus même qui sont motivés pour faire scène de pillage, si là, dans l'institution catholique. Est-ce que vous entendez?
Ou tande parole la police? Ha! Gen gros zéro dans la République. Est-ce qu'on tande parole la police? C'est un paquet individu oui qui était dans maniflan mais qui était choisi organiser yo pour avec un pile motivation pour t'aller faire pillage. Mais la police rive dans même moment, la police fouke yo. Ceci est tellement vrai, mais ça que la police fait comprendre. Les la police une ba information ça, li quitter trois numéros de téléphone qui m'bra le partager ensemble avec nous là, si toutefois nous ta arrivé joint. Eh bien oui, si toutefois nous ta arrivé ouais avec propre gène nous propre na ouais nous. Que gen quelques individus qui a fait scène de pillage, la police dispose de trois numéros de contact pour nous relayer, pour nous alerter dans un endroit bagal a passé et pour la police qui arrive bien rapide. Ouais ça Ariel de Dia c'est vérité, l'immobiliser la police et l'armée pour mettre l'autre dans des ordres. Mes numéros, mettez plus 509 devant 38 04 88 88 38 05 88 88 38 06 88 88 c'est trois numéros sa yo que institution policière la mette là pour n'importe moun nan moment crise là nan moment mobilisation qui ta just gagnon aperçu que gagnon ka déchoukay qui a opéré relé la police pour la police capable rivé sou moun yo c'est information n'a bay en tout cas c'est ça que la police même li dispose comme information la police fait qu'on est moun kap antre al fè pillage al fè déchoukay pa gen rien pour avec manifestant c'est moun avec propre gréyo qui choisi commettre infraction si là et depuis yo fèl y a tombé en bas sanction la loi même gens chef CSPN nan te dil récemment nan dernier sorti qu'elle te fait yo en tout cas bagala compliqué bagala vraiment compliqué bagala vraiment exagéré tendez non gen l'autre petit bagay pour nous là concernant tempête Fiona système national gestion risque ak désastre yo levé officiellement attendez bien oui officiellement alerte vigilance qui te gen couleur jaune concernant tempête Fiona qui te sous pays a pendant passage ouragan sous île Caraïbes yo fait qu'on est a toujours gen la pli si tout dans département nord nord-est nord-ouest Latibonite centre l'ouest ak sud-est et la pli ça pas loin rivé. Et gen quelques côtés avant même moi enregistrer émission an, moun yo dim yo te aperçu l'appli nan bloc yo wa. Mais comme agent moun capable di alerte vigilance nan li levé, poko fin content net. Gen yon vidéo ke mwè sou yon page ke me fait confiance en pile. Côté de l'eau a envahi la ria. Yo dim son rivière qui déclenché la ria envahi. Rivière ça yo dim li pote non rivière la Rion nan commune Léogane. Action sa passé vers environ 4h après-midi, gen yon ti image l'état pou msalye l'œil info pro qui te permet image la disponible mon cher en pile l'eau dans la rue, c'est rivière déclenché parce que pas oublier nous dans moment tempête. Bon bo al gade et par la suite moi-même m'a tourner pour reste détail. OK. M'pense que nous wè image là. Ça veut dire qui ça? Toujours fait prudence. Pas oublier, moun météo yo toujours là pour ba nous prévision. On bagay yo prévoit. Ça qu'arrivé gens ont prévoit là, c'est pas comme ça le fait. Ça qu'arrivé information. Faut me dire, tempête là li pa gen on moun kap guidel, c'est li kap fè afèl. Est-ce que comprenez? M'ta rien rien mal rivé nous dans un moment qui vraiment difficile actuellement que n'ap connaît. Qui nous dégage nous koumet Jean-Jacques, toute pièce important yo, mettez en côté à part, tant kou papier terre, ak de naissance, tout ça qui important pour nan moment catastrophe, nan moment inondation, ou konnen gen inondation, gen tempête, tout ça konnen qui indispensable pour nan moment capable sauver la vie, ou qui capable, on bagay konnen qui important pour pas vle pedi, mettez yon nan un doigt qui assuré. Et si toutefois, bagay sa ta fon on l'autre coup de guidon et bil d'arrive sou nou la, en boue tout rani, laisse ça pour ne pas dissinte konnen. Parce que Chanel si la plateforme sa a ouen. Se détail à correspondant Père Manan nou, Eli, l'Orveillus qui avec nous. Eli, bonjour.
Bonjour Pierre Emel, bonjour Guerrier, Johnny Ferdinand, Lydie, auditrice à Côte Caraïbes. Et puis, on a profité pour nous saluer une compagne nous qui, je dis à son anniversaire, c'est Miss Maline Metellus. Nous saluons parce que le, pour nous, nous avons quitté ce tunnel, c'est lui qui fait pour nous. Je dis à ce beau jour, nous ne pouvons pas fêter, mais nous saluons lui. Puisque dans le jour passé, nous avons mis ensemble parce que lui-même c'est 20, nous-mêmes c'est 22, mais nous ne pouvons pas fêter, même saluons lui. Alors, il faut qu'on dise Pierre Enel, Guerrier, Johnny, Lydie, nous lever dans la ville Jacques Mel. Si qu'il est là-dedans, c'est très difficile. Les guerriers qui connaissent Jacques Mel sortent maintenant Sainte-Hélène pour franchir le portail Léogane. C'est avec gros difficultés puisque barricade tout partout. Et là, nous sommes capables de dire, c'est vrai, dans le bloc Grand Ria, nous constatons qu'il y a quelques grandes motos qui tentaient de faire ce qu'il est dans la ville là. Mais nous sommes capables de dire que c'est une ville qui est totalement barricadée, dans le niveau basket, dans le niveau bassin caïman, dans le bloc Sivadier. Eh bien, il y a des gens qui sont presque capables de circuler dans la cour la caillou, toutefois, où il y a une possibilité de la cour. Mais nous avons dit que c'est une ville qui est totalement difficile. Pour matin, dans l'air, nous parlé là. Et il y a quelques endroits où nous constatons, même si plus passé moi, pas de courant. Mais il y a un gros pied bras et ou du moins branche bras qui lagué sous fil haute tension qui lagué yo dans situation difficile. Là nous passer une autre fois encore devant bureau administratif aidé à Jacques Mel, tout matériel dans la rue boulé et tout document gaillé dans la rue et jusqu'à minute n'a pas lié à gain la fumée qui a sorti. Non, bâtiment ça, même si son bâtiment qui fait en mi, nous sommes capables de comprendre, mais ça qui a un rapport avec Bibosa, li vraiment li saboté. Li saboté, c'est pendant manifestation qui fait dans la ville Jacques Mel hier. Faut qu'on dit, mouvement dans la ville Jacques Mel qui justement a fait depuis plus passé 4 semaines, et bien après. Et déclaration, ou du moins adresse à nation chef gouvernement de facto Ariel Henry, qui est fait dans dimanche soir, et bien hier, lundi, ya, et il était envrimé la situation dans la ville Jacques Mel. Depuis bien bonheur, dans ma tête, déjà, il y a une barricade qui restait, divers endroits, et tant qu'on dit barricade qui est toujours là, et il a augmenté pour matin, hein. Et bien barricade, c'est dans le bloc Sivage, Pasquet, Meyer, en bas ville là. Alors, ce manifestation, tu pas déclenché, c'est vers 10h15 comme ça, côté gagnant, branche résistance Sud-Est, qui était marconné avec mouvement jeune révolté, qui ont même basé en bas ville Jacques Mel. Eh bien, ils ont manifesté dans divers endroits de ville là, boule et caoutchouc. Et certains manifestants, ils ont gagné manchette dans la main, ils ont gagné festival, ils ont gagné bâton, ils ont gagné bouteille à roche. On peut dire, son manifestation, côté, ils ont continué justement, pour dénoncer mauvaises conditions la vie, mais refrayant pour hier, c'était demander chef gouvernement Ariel Henry, Rachel Mayocli, remettre les pouvoirs. C'était refrain manifestant yo pendant mouvement ça. Vous capable dire manifestant yo qui était en colère, yo arrivé racher barrière airport Jacques Mel là et justement et yo également et par la suite Tapral tenté pour te piller une maquette dans la ville là, mais la police te repoussé avec gaz lacrymogène et par la suite, tu as parlé d'un mouvement ça qui te continué dans la ville là, en pile roche tiré, bouteille tirée, la police lancé en pile gaz lacrymogène, balle pété et nous capable dit par la suite, tu as parlé d'un membre population en fin après-midi qui t'a attaqué, pillé. Et justement, bureau administratif aidé à Jacques Mel, tant qu'on se dit, actuellement là, on peut passer pour être tout matériel, et chaises, bureau, yo boulé, et tout ça qui a rapport avec justement, et matériel qui a rapport avec documents gagnés dans la rue. Et par la suite, après le gagné, et un agent Idmo qui blessé avec coup de roche, et qui c'est Reginald Célestin.
et puis gagne 5 manifestants qui au même yo en bas code. Moun qui joine arrestation c'est Paul Raphaël et jeune garçon ça gagne 42 l'année, gagne Dudley Blaise, il gagne 32 l'année, gagne Fortilien Gabriel, yo un jeune garçon 24 l'année, gagne Jiderson Malois 18 l'année, gagne Dickinson Etumé, il gagne 17 l'année. Et même moun ça yo joine arrestation yo la police et accusé comme monde qui t'a lancé en pile coup de roche dans manifestation ça. Mais qui t'en dit, une manifestation qui est dans bloc de la ville là, et membre population qui habite dans zone ça qu'on est un moment difficile parce que c'était là et justement et côté membre population manifestant yo té a et fait scène qui t'a gagné la police a peur lancer gaz lacrymogène, roche a tiré sur la police même a lancé gaz. Alors faut que nous dit et mouvement ça qui déjà gagne plus passé tant qu'on dit 4 semaines mais et pour hier l'été envrimé dans ville Jacmel, nous pas connait pour matin comment ça capable mais son ville qui déjà annoncé une autre fois encore tension panique et situation qui la cause toute activité dans ville là, il était resté paralysé. Malgré bien bonnet le matin, et les monde qui tape et qui était campé devant banque pensant que ça pas des possibilités pour te joindre service, mais toute activité te vine totalement fermée et paralysée dans ville Jacmel. Mais à part ça tout, faut que nous dit ça pas empêché gagner petit département qui a réfléchi pour lui et puisque gagner et en pile effort qu'a fait dans commune Belance, gagne yon petite zone ça qui c'est justement rue Université Jean Université Nelson Mandela qui c'est maître Jean-Ronel Sistanis, li rencontré jeune yo dans commune Belance et li annoncé li pral bay possibilité pour mettre yon succursale ou bien yon annexe dans zone ça justement pour permettre génio capable bien possibilité pour former tête yo dans science administrative dans science juridique avec science infirmière. Et ben c'est ça li annoncé Jean-Ronel Sistanis qui lui-même c'est une petite commune Belance qui lui-même t'est rencontré semaine passée hein, avec justement génio dans commune Belance. Alors faut que nous dit circulation pour quitter Jacmel à Port-au-Prince qui totalement interdit sorti kay Jacmel pour aller Marigot ou bien rentrer si Jacmel. Pas bien existe ça. Et simplement nous dit, il y a une possibilité au monde qui a skillé et soit dans cette ville avec une moto, mais c'est avec grosse difficulté, puisque eh bien, pas de possibilité ça du tout, puisque barricade toujours dans la ville Jacmel, pas ci et pas là. Mais qui te dit tout, non, ça qui a un rapport avec la ville là, c'est une ville côté membre population en gros difficulté dernier jour ça yo puisque joindre un petit goutte d'eau pour membre population vrai ben il est totalement difficile. Et ben joindre yon gros sachet d'eau ou a besoin de 200 gouttes et c'est pas facile pour joindre et ou a besoin plusieurs lots l'argent encore pour payer motocyclette pour t'arriver joindre et à cause gagner justement et usine qui traitait de l'eau dans ville là qui n'ont incapacité pour joindre l'électricité justement pour capable et permettre de traiter de l'eau et ça mettait même population actuellement dans une grosse difficulté et des mondes c'est de l'eau soit à prend la rivière ou bien en bas c'est quelconque et ils ont commencé à mettre bouillie justement pour capable bail tout monde qui dans situation menaçant qui pas qu'à utiliser n'importe de l'eau parce que situation est totalement compliquée dans ville Jacmel sud-est pays d'Haïti messieurs dames. Effectivement compliqué installation EDHU visée pendant dernier mouvement protestation ça yo qui secoué pays à deux bureaux EDH à travers pays à boulé plusieurs nan yo en bas menace tant coup bureau Delma manifestant yo attaqué jeudi passé et face à série attaque ça yo vice président fédération travailleurs EDHO Fesred qui c'est Pierre Michel Félix les montés les préoccupés et l'imandé population pour protéger bâtiment EDHO qui c'est bien PIA. Pierre Michel Félix, bonjour. Bonjour Pierre Renel, bonjour Gabriel, bonjour Madame Lézé, bonjour Tony Ferdinand et bonjour tout employé EDHO qui vraiment non situation vraiment compliquée à travers PIA.
et bonjour tout auditeur auditrice dans la radio Caraïbe FM. Plusieurs attaques sur EDH, ça a préoccupé nous. Mon réaction? Oui, nous avons une réaction et nous vraiment préoccupés par ce qui a passé dans le pays, non seulement en tant que citoyen, mais en tant que membre organisation FISTED, qui est une organisation qui a fait dans EDH depuis 36 l'année. Et je nous veux dire, nous sommes capables effectivement, bon, alors c'est pas la première fois les gens de soulèvement ça a aidé à ce qu'on paye d'adjus et conséquences non payer ça a passé yo, mais je nous dis à eux encore plus grave par rapport avec ça a passé là, et que nous sommes capables de constater depuis bien des jours et nous commençons par petit grave depuis la première semaine septembre et alors et au CAI précisément dans le bureau Boudette là, dans la centrale Boudette là, et il y a des attaques côté qui était écrasé et barrière là. Il était pris en machine, on prend une thermite dehors, écrasé vite lui. C'est grâce à la vigilance, la police, qui a fait que quand des ça n'a pas arrivé, brûlé. Ensuite, et nous montons vers Petit Gouave, semaine dernière, Petit Gouave, et manifestation est toujours, côté que manifestants est rentré dehors et écrasé, on a dit barrière et les H là, Petit Gouave, et il est arrivé, peut-être tout porte, dans tout compte, on s'est dématé, il est dans la rue. Je tourne, retourne pour les cailles encore. Et je suis allé, on est capable de dire. Et hier, précisément, alors avant d'y aller hier, jeudi passé, dans Delma, j'étais maintenant pris le caoutchouc en bas de Delma, en bas de Galibi au Delma. Bon, grâce à la vigilance sécurité, les concitoyens qui ont fait effort, côté qu'ils vont arriver, entrer, dans la vie, mettre le matériel d'ailleurs pour brûler. Mais hier, dans l'autre vitesse qui passait, du côté au caille, nous avons Cafou Valley, nous avons un bureau ça, qui est en flaminette. On mettait Bayo de Yobrilel. Ensuite, et pour Jacques Melière, encore, côté que un bâtiment administratif là, comme tout le monde attendait de l'OL, côté que le matériel, tout, d'adie, partie question qui est importante pour nous, tout, archive, et d'adie, institution, ça, dans la zone Jacques Melière là, le mettait dans la rue, mettait du feu, génératrice nous brûlait, et je nous dis, et nous, clair, nous dit très clairement, population, hein, malgré que son droit à gagner pour les manifester. Pour en fait revendiquer ça qui fait le mal, ça qui n'est pas bon. Mais encore plus, ça qui gagne, que nous déjà gagné en deux pays, qui c'est pour nous, pendant ce que nous pensons que nous devons dire, il faut faire attention, parce que demain, nous pas bien, nous pas besoin plus quoi pour nous faire, pour nous réconcilier, et là, ça, nous avons toujours des difficultés. Et nous pensons que nous devons dire, bien que et nous avons souhaité à ce que nous avons dit, l'idée, ça, qu'a avancé là, pour écraser, démantibuler, on a dit, et bâtiment administratif et matériel EDHO, et nous avons fait un petit jacampé sur eux. Et c'est ça qui fait tout. Nous connaissons, depuis 2018-2019, alors on a tourné pour les cailles, nous avons marché, écrasé, brisé tout le compteur qui était dans la rue. Bon, mes amis, le compteur, ça va capable bien avec le monde. On comprend que vous êtes capable de bien l'autre problème, l'autre bail qui traverse, mais le compteur, il ne va pas écraser. Parce que vous comptez, je vous le dis, il évalue à 50 à 60 dollars américains. Ça veut dire que ça veut dire que tout compte ça a été écrasé en 2018-2019, il ne faut pas jamais passer. Or, nous continuons à. On va penser son ras-le-bol, Mounio Gayen, face à EDH pour service, il ne va pas joindre du tout. Hein? Bon, effectivement, c'est une capable de un côté qui attaque là, un grand Tigouab. Un jour même, et attaque ça à Tigouab, nous t'as alimenté Tigouab. T'es bien courant, t'es bien courant, on est la journée, à jouer pendant un match qui t'a vu. Et puis, dans le même moment, et puis, qu'on y a, bah, ça a passé. Ça veut dire, et nous connaissons depuis vieille date, nous avons une situation extrêmement difficile et compliquée par rapport à l'État qui était subventionné EDH en carburant. Bagala, difficile. C'est EDH qui a fait tout ça, capable. Mettez tout lui-même à tête pour une possibilité pour qu'on achète carburant. Et parfois, à mon capable de Jacques Mel là, il y a des dispositions qui prennent depuis un mois et demi vraiment, et où on va faire sentir. Mais tu commencé, nous avons des groupes qui réparent, il y a 5 groupes qui sont à Jacmel, qui ont deux qui en panne, il y a une réparation qui fait là dans eux, groupe disponible, mais cependant, faute carburant, et par rapport à chaque question, nous connaissons tout le monde dans le pays qui s'en a une crise et, au niveau carburant, qui permet que pas arriver à temps, qui fait que bagarre ça a posé, or, qui fait que nous avons des blackouts là. Or, il y a des dispositions qui prennent là en termes d'achat pour un gaz qui pourrait entrer. Jacmel, mais et que pas de route, pas de possibilité. Alors que Jacmel a attaqué quand même. Alors, c'est nous-mêmes du côté EDH, nous avons dit qu'il y a des efforts qui sont faits, malgré l'État, qui a plusieurs côtés de la province, effectivement, 4, 5, 6 mois, tu as couru, pas d'intervention qui est faite
à cause des camions, mais il y a fait des efforts énormes qui pour permettre à ce que y ait des côtés qui alimentent. Parce que un grand jour, je dis à la zone métropolitaine, ce qui est plateau central avec Central Pélé, et bien je dis à tout le monde capable de constater, on a une amélioration quand même, mais toujours est-il que il y a des circuits qui ont un défaut, qui consignent qu'il y a un défaut sur eux, ils ne sont pas capables d'arriver à alimenter à cause. Et que nous avons des gens à la rue, j'ai un problème dans poser là, les machines véhicules n'ont pas capable de sortir pour la rue. Et malgré ça, il y a des employés qui mettent à la disposition, malgré que vous n'avez pas dans la boîte là, dans la zone, ce côté où habitez sous circuit qui est en défaut, vous organisez avec les responsables de service, vous avez des circuits, nous arrivons à des réparations qui permettent de capable gagner une alimentation normale. Ça veut dire que ça, nous-mêmes, par rapport avec toute institution, qui m'a dit qu'il a terminé aujourd'hui. Maintenant, dans sa qualité, qui était debout qu'à faire pour nous, nous-mêmes au niveau IDH, je pense que nous faisons tout ça incapable. Et si ça fait tout, nous avons vu un remerciement par employé Péligio, Central Péligio. Et qui, je le dis, malgré barricade, malgré difficulté, il fait bien qu'il fait 3, 4, 5 jours dans Central, dans le poste de travail, il n'y a pas qu'à relève, pas qu'à fait, mais il toujours quand même là à bail service. Et même dans tout, au niveau de direction réseau, nous gagnons des dispatchings, mouvement d'énergie, et ensuite avec quelques employés au niveau et département de l'Élysée, qui fait tout ça capable de permettre l'institution de toujours camper debout. Est-ce que nous toujours descendons dans Richard et Rouen et zone ça qui est en proximité, zone conflit, village de Dieu, nous toujours descendons? Bon, par rapport avec une dernière évolution là, et en majorité, il y a une grande quantité qui ne va pas descendre parce que les questions sont réellement difficiles pour la rue à barricade, mais il y a une tranche dans une quantité d'employés au niveau du service d'urgence, tel que le monde qui est en entretien, au niveau de direction réseau, qui fait des efforts, qui quand même descendent pour assurer les élèves, pour capable faire MDADI contact avec base et MDI base, le janvier et dispatching, et dès le matin 3, qui pouvait mettre à ce qu'il y ait des circuits, des travails, des corrélations qui existaient, synergie qui entre équipes, ça, qui peut permettre à ce que nous-mêmes nous baillons service, dans la musique, nous sommes capables. Alors, dans ce sens-là, on nous dit qu'il y a une quantité, effectivement, qui n'est pas arrivée qu'à descendre, mais il y a une minorité qui l'a qui a acheté, bah, ça, mettez tout ça au capable pour bailler service. Qui soit qu'à répondre à la question, ça, et à qui ça, il y a servi, je dis à la majorité ville, un pays, à IDH pas présent, au point que Mounio, il a cherché, il y a une propre source d'énergie, donc IDH pour qui ça, IDH pour faire qui ça? Bon, c'est, et je ne veux dire, et Pierre, et question ça, c'est une question qui est très pertinent, effectivement. Mais cependant, qui ça lui? Moi, je pense que c'est l'État. C'est l'État qui gagne responsabilité et toute vision qui a ce que c'est venir avec un plan énergétique dans le pays qui pourrait mettre à ce que le pays a, nous connaît très clairement. Si sa question courante qui est en développement, représentée pour développement dans le pays, c'est l'État qui gagne vision à ce que. Et par les populations, parce que possibilité pour non seulement investissement capable de faire et m'a dit dans des domaines bien déterminés et qui parle de la population tout, dans toute activité économique qui permet à ce que courant ait un rôle fondamental de jouer. Ça veut dire, nous-mêmes au niveau IDH, nous devons tout simplement refléter très clairement, nous pas besoin de passer par plusieurs chemins. Ça paye à bail comme réponse, comme résultat, nous pas qu'à penser, IDH même pas dévancer, ça paye à bail. Ça veut dire qui ça lié. Je ne veux dire à côté de l'UVA, là, dans ce livre là, c'est une constatation, côté tout le monde constaté, il y a des travaux qui étaient supposés faire. Et il y a des temps qui parient fait, qui permettent, je ne veux dire, nous à chercher l'autre source d'énergie qui peut permettre à ce qu'il y ait une résistance, je fais face carré avec difficulté, il y a confronté, je ne veux dire. Alors nous mettons des haches. En tant qu'employé, en tant que monde qui vient de service, qui prête service à l'institution, et nous constater tout employé qui a une responsabilité, qui vient de participation au niveau IDH, doit toujours répondre présent, doit toujours disposer, disponible pour une participation par nous. Mais lorsque les questions vont côté, il n'y a pas avancer, grand rêve qui a une vision globale, c'est l'État qui se pose investir, fait tout moyen possible, nous-mêmes, pour nous-mêmes comme employés, pour une participation, pour un population même d'un service de qualité de salaire mais je DRH. Voilà, merci, c'était Pierre Michel Félix qui est vice-président FESRED, un syndicat dans EDH. Nous prenons continuer à correspondre à nous, nous prenons direction Grandance côté hier.
nous apprenons que gagné caille qui boulait gagné l'entreprise qui continue piller n'a pas joué pour nous pas joindre le correspondant nous Frankel Maginaire depuis Grandance. Bonjour Frankel, dis-nous plus. Maginaire, allô? Oui, bonjour, Guerrier Vitel, Johnny Ferdinand, Lydie Alexandre, René Pierre-Renel, toute équipe là, bonjour. Oui, fort pour directeur responsable et propriétaire de médias au Langrandance, et qui toujours fait manœuvre pour que aucun des relais à vivant sur le bâtiment, c'est Caractéra et CNV présent à Claude encore. Et un bref rappel de journée lundi 19 septembre 2022. Hein. Nous allons regarder ensemble, messieurs, dames, bon côté avec mauvais côté et mouvement. Après un pile citoyen qui finit dans des bruits, cartouches, bien bonnet, un matin, un barricade, qui vient un roche, bloqué le fatra, et bloqué Oudio, ça qui fait marcher public, génial, magasin, banque, yon façon générale, bio, l'état privé, pas fonctionné. Sauf une gens qui l'hôpital Saint-Antoine avec la police dans Jérémy. En dépit de problèmes gazon qui depuis presque plusieurs mois pas disponible dans la station gaz bio qui est au nom de cette station sur l'île Jérémy, et contrairement à l'autre commune, dans Poissino, et coulant vers Planville, ce marché informel là, galon gazoline 2500 gouttes, dans le moment où on a parlé là, duvel 1500 gouttes pour joindre nous avec un peu de difficulté, même là il n'y a pas de qualité, mais c'est là. Et étagère boutique mini market yo presque vide, farine pain très rare pour que yo yo monde qui en liberté joigne accès voire plus là yo des gabadou qui pas des quatre mirailles et qui a souffert de toute qualité maladie tant que tension et sucre problème nager c'est qu'ancien magistrat commune de Stellan et monsieur Villaglet qui était gagné comme chef d'accusation détention armes à feu illégale ou homicide involontaire ou involontaire. Et il était arrêté, monsieur, depuis la date 19 mars 2019. Presque 4 années, monsieur est sans juge. Et donc, mouvement de revendication, ça a eu un pile conséquence sur toute bagaille du département. À partir de là, il y a un pile monde sur le PM, le docteur Ariel Henry, international, dit un mot. Et conséquences négatives, aller trop loin. Sous société, surtout sous sa piste bio, et d'une étape en Amérique pour alimenter les ménages de l'eau, un camion de l'eau et pour dans les temps virginiens à 25 000 gouttes, et grand monde qui pète et pas qu'à vivre. État urgence humanitaire pour observateur plus que nécessaire juste pour améliorer la majorité vulnérable et qui pas qu'à attendre encore. Nous rapidement guerrier et tourner dans la journée aérien. Manifestation yo qui était encore en colère de prendre direction kay ancien sénateur Sorel Jacinthe et membre du 3SDP coordonnateur unité si c'est ça va prendre nous et troublant c'est un temps attaqué barrière la calice la police à l'autre proche qui était sous place et yo était tiré et juste pour évacuer foule là objectif de créer des classes de vacation si là yo. Et d'après manifestants, c'est pour demander M. Sorel Jacinthe explication sur l'argent pour le département et gaz pour EDH et comment lui-même l'a géré boîte l'État qui lui-même lui prend contrôle pour mettre mon nada qui n'a pas de résultat. C'est qu'à santé, éducation au FATMA, c'est de se la vie. Rapidement, il prend direction ONG, donc à TED et celle de pillage fait entre Toyo, qui était un outil dans pour pelle, bourrette. Puis quoi, bois des pacades, groupe électrogène, panneau solaire, conforme au DEM, ça nous est les toilettes, qui hygiène, qui était déjà expiré, et pris là. Par la suite, il y a les droits directs dans le bureau régional CAIR, et ils ont investi, ils ont parti dans le bureau, et l'information rapportée, ils n'ont pas poussé à les trois matériels en CAIR à cause de la police lui-même qui est toujours intervenue de façon pour qu'ils ont même été empêchés. Et ils ont pillé trois bagages la caisse. C'est là ça va apprendre nous tous. Et matin, il m'a dit, en moment où on a parlé là, qui c'est 20 septembre 2021, en guerrier, c'était déjà notifié de côté de la police, malgré ce fait de naissance de préparation. Et organisateurs, mouvements,
qui baptisé camper l'État et cap gagner pour occuper la rue encore pour une énième fois. Et possible pour que les Kabadou déjà nous constater personne paysan va mettre près pio la ville là pour côté un véritable ou bien un avocat en grande fille à cause annonce déjà fait pour que eux-mêmes ne pas présenter. Et contrairement à jour passé, côté que les gens viennent dans le marché, ils ont porté des poules, des gros débrouillards. Dès qu'ils ont coup de bouteille fait rapidement, ils ont quitté et ils ont tourné au bagage. Comme ça, nous sommes capables de nous, c'est une ville Jérémy qui est en mode bloc. Et les barricades sont toujours debout. Et il faut que nous rappelions tout la journée hier. Et il y a des informations du côté de Platon, zone Merlin, qui fait quoi? Il y a près de 3 cailles qui boulent. À cause de la confusion totale qui existait entre deux groupes militants sur question possibilité de mettre barricade ou pas. Là, c'est une interrogation par rapport à comment tu as fait pour connaître qui l'agent qui baille qui permet de gagner divergence en termes d'esprit de côté, ensemble militants du côté de Platon Merlin. En gros, c'est un Jérémy Jandoula qui est toujours la difficulté extrême humanitaire. C'est vrai, il y a une déviation par rapport à la tempête Fianoa. Mais quand même, le département lui a subi des catastrophes anthropiques, des cabadous, pas de circulation, problème de l'eau, c'est tout un problème des cabadous qui posait pour toute couche dans la société. Et là, nous connaissons depuis près de 2 semaines, pas de question de banque qui existait au niveau du département. Voilà en gros messieurs dames et situation, nous sommes capables de tenir et auditoire Caraïbes FM informé. Encore une fois, nous apprécions le courage de Ralph Piano et bien dit au niveau Canet même qui fait effort pour tenir et relayer à vivant sur le département de façon à permettre auditeurs Caraïbes FM informé. Merci messieurs dames, à la prochaine. Merci en pile Frankel Maginaire. Nous avons lancé gros SOS dans plusieurs zones dans la région métropolitaine. Nan. Gagné un problème de l'eau traitée, gagné un problème gaz propane, ensemble de côté qu'on distribue gaz propane et par crainte d'être pillé, d'être incendié, et bien nous avons pas l'ouvrir. Donc ça vient faire que rare côté cap distribuer gaz propane, c'est vraiment en ligne longue pour mon arriver à approvisionner ou à produire ça. Donc grand intérêt sur c'est dans Gonaïve dit nous et pour pas bailler de l'eau traitée pas ça du tout. Donc rare côté qu'on bail de l'eau, il y a pas gain gaz pour fonctionner. Et gagné et yon nan moun yo Odivien qui c'est ancien directeur départemental MTPTCA li même là qui a essayé kembe ensemble avec Roman pour bay de l'eau mais malheureusement gaz qui pa gagné nan problème pas gagné l'eau traitée n'a pas lancé SOS là maintenant n'a quitté Jérémy dans ce pays là pour aller dans deuxième ville là qui c'est Cap-Haïtien côté nous allons rejoindre correspondant permanent nous dans ville ça Donald Jameus bonjour dis-nous comment deuxième ville pays a réveillé pour matin. Bonjour Johnny, c'est Adjuna. Bonjour Alexandre, bonjour PRR, Pierre Ronel René, Garnier de Sol, bonjour auditeur auditrice internaute de Caraïbes FM. Bonjour la capote de notre département nord à Cap-Haïtien sur radio merci avec priorité et qui nous dit ça qui vient à ouais avec temps et le Cap-Haïtien levé avec contre la pluie hein, vraiment sombre, vraiment calme. Donc c'est la pluie qui allumée, donc à l'heure c'est pas allumé pour le moment, le fond c'est passif et nous ça qui vient à ouais avec activité la rue, turbulence, mais bon, c'est une ville Cap-Haïtien qui hier surtout qui était levé, enfin qui était passé une journée en des manifestations, malgré que la pluie, il y a une manifestation qui est sortie dans le quartier sans raison, qui trouvait dans l'entrée sud de Cap-Haïtien. Dans ce moment-là, le principal foyer résistance là, ou bien il y a un quartier qui avait été à plus de 100 raison. C'est un quartier populaire qui est situé sur le national numéro 1, dans l'entrée sud de Cap-Haïtien, il est situé entre Barrière Bouteille avec Carrefour Hôtel Congo, pour vous qui connaissez le Cap-Haïtien. Donc c'est pas bien résistance dans ce moment-là. Donc le Baïkadio est toujours là dans plusieurs quartiers, la Forcette dans l'être A, et bien Flesco qui est toujours barré, Philomène qui est toujours barré. Encore une fois, et tentative manifestant d'échouer plusieurs business, plusieurs entreprises de Cap-Haïtien échoué hier lundi 19 septembre 2020. Les manifestants ont été attaqués et ont un magasin qui est dans la route 19L qui vend des appareils électroniques qui
Haïti, Haïcom, eh bien, malheureusement pour eux, mais la police étant arrivée à temps, les déchouer, plan, déchouquer et business là. Il y a plusieurs autres business qui étaient attaqués et samedi passé, eh bien, nous voyons nous constater, donc responsables de la Catalayo, nous souhaitons pour que Tokyo ait été renforcé et sécurité dans les soudés, l'autre fer derrière les barrières business là. C'est ça, par exemple, pour comme il faut, qui n'a route et FG dans le Cap-Haïtien. Hier, c'était une véritable tension, malgré la pluie, et bien, la police avec les manifestants ont échangé en pile gaz lacrymogène. Chaque fois que la police lui même dit gaz lacrymogène sous manifestants, et bien, ces jeunes ont baissé pour un bon bonheur, ils ont retourné par la police courait. C'est une véritable échange. Dans le Cap-Haïtien, mais ça a commencé principalement dans la rue 2, rue 1L, côté la police qui a été dans la rue 2L, qui a pris le gaz lacrymogène dans le manifestant qui était dans la rue 0, après il a avancé, donc il est dans la rue 2L, c'est le même scénario. Du coup, je ne sortis pas, donc il a été dans plusieurs zones. Du coup, dans la route nationale numéro 6, là, dans la commune Limonade, il y a un barricade qui est dressé, c'est en bloc. Dans la zone, il y a aligné plusieurs blocs et dans la son paroi, c'est ce qu'on a dit, et les barricades qui même toujours resté dans la zone là. L'autre élément qui est neuf dans la mobilisation anti-Ariel là dans le Cap-Haïtien principalement, c'est des individus mal intentionnés qui prennent plaisir, lever même les gens qui sont dans la rue, surtout hier soir, il était aux environs de 7h, et il y a plusieurs jeunes garçons qui ont levé même date avec un triplex. C'est le profil et câble électrique et monde qui a passé dans la zone cache c'est le collège Atlantique Cap-Haïtien dans la zone toujours dans la pièce du Cap-Haïtien. Donc là c'est pour fondation de sang et bien et individu qui frappait mon yo yo reproché de ce que yo osé prendre la rue pendant que ouais pays à l'autre et là nous connaît ça vient plus que deux semaines si tu as il y a les mêmes fermés donc mon yo yo gagne pas de manger yo gagne pas de l'eau et puis nos gallons de l'eau l'autre ville, on ne sent que peut-être le Cap-Haïtien. Si il veut pas bien rapide déploie, j'en que lui-même apprendre qu'il est dans l'autre commune, donc au Cap-Haïtien. Mais, et dans le Cap-Haïtien, il y a l'autre ville pour le moment, mais c'est sans goutte pour allons lui-même. Puis, devant Taïtan, c'est eux-mêmes, ça qui est chanté pour l'ouvrir, et un peu le monde qui compte pour apprendre pour eux, donc les messieurs capables de faire une possibilité. Pour entrer pour aller recevoir en quelconque commission que nous voyons pour eux. En gros, c'est comme ça dans le Cap-Haïtien, il y a une ville très calme, qui est très sombre, et plein de citoyens qui sont dans la rue. On a aussi à pied, il y a plein de gens qui ont marché cloné, nous FTV, marché à lui-même, il fermé, barrière marché à fermer, mais comme il y a un marché tout à l'entour, il y a des marchands qui sont alignés et produits, mais c'est nous à côté, au pile, dans la rue. Le Donald Jamayus, correspondant permanent nous depuis Cap-Haïtien. Nous allons rejoindre Kouilela, correspondant nous Walker Juvens Clavel, ensemble avec nous. Clavel, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Johnny. Bonjour, Lizzie. Bonjour, PRR. Gros bonjour à tout le monde nord-ouest. Cap-Suiv Journal, première occasion, Grand Boulevard. Ville-Port-de-Paix, qu'on ait une journée de tension, à lundi 19 septembre. 2021, côté dans la localité Lavaux, individu rentré, yo pillé local Caritas là, côté yo poté aller tout ça yo joindre et puis dans la localité Ofuno zone la Saline, yon l'autre groupe individu rentré dans bureau protection civile Port de Paix nan Koutan, côté yo pillé li. Et puis dans la caisse sœur Miriam yo pour monde qui connaît Villeport de Paix bien, il y a 50 individus qui ont tenté rentrer là-dedans mais la police a déjà fait intervention li. Dans une note direction départementale police nord-ouest la met dehors, yo t'a fait croire que gain 12 monde qui rivent joindre arrestation yo hier après-midi dans zone Miriam dans Villeport de Paix pour dépôt Caritas nan qui dans Lavaux. Selon
et notre direction départementale police nord-ouest là, agent BLTSO qui tout près et Lavo qui tout près et dépôt Caritas là, yo déjà gain contrôle situation hein, et yo récupéré plusieurs et matériel que individu yo même yo t'a serré dans entourage dépôt Caritas là qui dans ville Port-de-Paix. Dans moment n'a parlé là, n'a dit que toute activité yo toujours été paralysé dans cité Cap-Bras-la-Mort, côté banque commerciale toujours fermé portio, marché public pas fonctionné et bureau l'état yo fermé portio.